Aujourd'hui, on se prépare pour la prochaine journée piscine. Rafraîchissement garanti. Les deux téméraires qui ont accepté de plonger dans la compétition sont Baptiste du Midway et Gabriel du Lave. Salut! Attention. Donc aujourd'hui, vous devrez me concocter un cocktail à partir de la thématique piscine et d'un alcool qui est le suivant, fiole prosecco fruité. Tout ce qui est autour de vous est à votre disposition pour le défi. Vous aurez 3 minutes pour le compléter. Vous êtes prêts? Ouais, piscine! Alors dans 3, 2, 1, c'est parti! OK, attention, attention! Ah! Bah, qu'est-ce qu'on boit à bord de la piscine? Piscine! Oh! Je suis parti sur une base de liqueur de café Luxardo avec du cognac pour amener un petit peu de peps, des framboises pour avoir un cocktail quand même très rafraîchissant, facile à boire, puis énergisant pour tenir toute la journée de fête. Ah, il reste 2 minutes. On s'est foncé quand même comme drink piscine. Piscine! Oh, Garde de ton côté. Alors, de mon côté, on est parti sur un petit peu plus fort, sur une inspiration de Mint Julep. Pour faire mon cocktail aujourd'hui, j'ai été chercher une gousse de vanille, puis j'ai été mettre un quart d'once de sirop de gingembre, 2 traits de bitter ananas, avec 2 onces de Buffalo Trace, et puis de la menthe, bien sûr, qu'on doit taper avant de mettre dans son verre. Facile. Attention, attention. Alors, il vous reste 1 minute. Ah oh non, bah! Inadmissible, tu vas être en là, retard. Votre ingrédient, c'est le prosecco et vous en avez pas encore ouvert. Bah, c'est toi qui ouvres le prosecco? C'est moi qui... Ah, ben, tu vas être en retard si c'est moi non, qui ouvre. Non, mais be a gentleman. Non. J'ai demandé à Baptiste d'ouvrir la bouteille de prosecco parce que, bon, il est beaucoup plus fort que moi. Et puis, pour faire perdre du temps. 10 secondes! Oh, oh, oh! Attends, ça, c'est de la distraction! De c'est la distraction! 3, 2, 1... On touche plus à rien, terminé! Compétition féroce et endiablée. Baptiste, t'as pas eu le temps de tout à fait terminer ta création? Si, si, ma création est totalement terminée. Oui, ici, c'était... Ben, je vous présente mon espresso martini, puis j'ai choisi la planche bleue pour faire ma piscine et mes petites bouées de frites en plastique. Donc, c'est la direction artistique extra cocktail. Tout à fait. L'espresso martini. Au bord de la piscine. Très, très tonique. Gabrielle, de ton côté? Alors, moi, je prends le Kardashian. Oui. Et puis, vu que c'est comme un pool party, je t'ai amené des lunettes soleil. Oh, c'est très gentil. C'est sûr qu'il va falloir que tu bois avec des lunettes soleil, oui. À la style Kardashian. Merci. Ce sera pas facile. Alors, ce sont 2 cocktails extrêmement différents, donc c'est pas facile de trancher. Parce que l'originalité est un des critères et que j'apprécie l'audace du mélange du prosecco et du café. Wow! Hey, mon bas! Oui! Alors? À défaut d'avoir une piscine, on a des cocktails, on boit? On boit? Oui, allez, carrément. On boit. À la allons-y, allez, on plonge. Attention. En tout cas, je suis bien contente, c'est toi qui bartend ce soir. Oui, nous on boit. Nous on boit. Parfait! Merci, Baptiste! De rien!